Salut tout le monde, c'est Jacques Tarsenis et on reprend Borderlands, donc pour normalement la vidéo 14 si j'ai pas de conneries. Alors je sais pas s'il tournera bien là parce que j'ai dû réinstaller, enfin j'ai réinstallé Borderlands parce que j'ai toujours d'ailleurs des problèmes pour se connecter en multijoueur. Donc j'ai essayé de le réinstaller pour voir ce que ça donnerait donc j'ai dû régler de nouveau tous les paramètres vidéo et là je vois qu'au lieu d'être à 20 je suis à 16 FPS, c'est génial. Ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne déjà pour cette série de vidéos et puis de toute façon si c'est plus beau et puis que c'est encore visible sans que ça pique les yeux. Pas sûr que ça pique les yeux sans que ça... Sans que ça rame à bourre, eh ben ce sera bien. Alors. Difficulté, jeu d'enfant. Ouais, mais après le niveau il augmentera un peu. Quoique je suis niveau combien maintenant, moi? Je sais plus trop, étant donné que ça fait quand même une semaine ou deux que j'ai pu jouer. Niveau 18, donc ouais, c'est faisable à la limite. Enfin, là, ça fera juste l'objet d'une vidéo, je pense. Parce que le ronde de la mort levé du rideau, c'est juste du bourrinage de mobs dans une arène, donc bon. Au moins ça fera une vidéo que vous pourrez directement zapper au pire. Duration du combat rifle, je sais où c'est. Dini Domini, je sais où c'est. Retour. Tac tac tac, est-ce que quelqu'un veut bien m'aider? Je n'ai plus de nouvelles de mon fiancé depuis 10 semaines. Ouais, ça je sais aussi exactement ce qui va se passer. Normalement, elles peuvent se suivre ces trois quêtes là. Donc on va faire les trois quêtes de Arid Isles. Ouais, on va faire les trois quêtes de Arid Isles. Donc on va commencer par la récupération du combat rifle, ou fusil d'assaut. Détruire tous les composants du combat rifle. Ouais, j'allais dire fusil d'assaut, mais bon, comme j'ai lu le combat rifle, ça m'a perturbé. Oula, ma souris, elle bouge un peu bizarre. Pas grave, on verra bien ce que ça donne. Alors, je travaille sur un combat rifle un peu spécial, mais comme je... Voilà, bon, je recommence... À avoir des problèmes à lire, déjà je vais rapprocher de l'écran, je vais me mettre à 3 km. Mais comme je veux pas que les bandits mettent la main sur mon prototype, j'ai éparpillé les composants. Si vous les trouvez tous, je pourrai remonter l'arme. Il va falloir trouver la culasse, la crosse, le viseur et le canon. Donc les trucs habituels. Hein. Ensuite on fera un digni nomini, que je pense je vous le lirai à ce moment-là, et puis voilà. Normalement, elles vont se suivre ces missions. Ça m'inquiète un peu quand même, le chiffre des FPS qui est en haut et qui a tendance à baisser méchamment. Ah, je suis à 19 de nouveau. Scooter. Bon. Reste pas là comme un débile. On va la ranger un véhicule. Faut dire que là, j'ai en plus Mozilla qui est en route derrière pour envoyer la dernière vidéo de Minecraft que j'ai tournée. Alors, on va tracer. Oh, mauvaise idée. Ok, d'un peu je me souviens, pas couper à travers champ. Suivre la route, c'est plus simple. C'est plus sûr aussi. Alors, on va descendre ici. Ça je présume que c'est les skags derrière, voilà. Bon, elles ont plus trop le niveau, à niveau 12, voilà, on dira rien. Je voudrais bien trouver un RPG où les mobs de bas niveau... non, mais ils sont déjà morts. Les mobs de bas niveau se barrent. Quoi, mais qui sont un minimum intelligents, quoi, genre... Oh mon dieu, il est surpuissant, barrons-nous! Mais bon. Toi, tu vas plus avoir de tête dans 30 secondes. Bouge pas. Et merde. Non, toujours pas. Il va continuer à me sniper avec ses haches à la con. Laisse tomber. Pas assez de précision. On va aller au shotgun. De toute façon, normalement, ils sont de bon niveau. Premier morceau. Merde, attends, je recharge, bouge pas. Merci. C'est vrai que j'ai 12 balles là-dedans, donc c'est pas forcément nécessaire que je recharge maintenant. Ouais. Ah voilà, le morceau il était là. Oui.
munitions, ça peut toujours servir. Même si normalement j'ai fait le plein juste avant. Ouais, ça saccade un peu quand même, hein. Enfin ça saccade. Je vois que c'est pas super fine. Si jamais à l'occasion vous voulez que je descende les coffres rouges, on va déjà prendre le coffre rouge. Il est où? Ah, bouge pas, je te refais le portrait. Oula, mais y'a tout plein de guns. Bon, ils ont pas l'air forcément géniaux, mais. Bon, quoique, il y a l'air d'avoir des pas mal. Bon, bref. On fera le tri plus tard. Donc, je disais. Oui, si vous voulez que je descende les options graphiques pour essayer d'avoir le jeu un peu plus fluide, dites-le en commentaire, hein, on sait jamais. Et bon, je pense que c'est quand même plus intéressant d'avoir des graphismes potables. Même si le jeu a un peu de mal. Plutôt que des graphismes au rabais. Surtout que je peux vous dire, j'ai joué au jeu en minimum, hein, comme je l'avais dit au début. Je sais pas pourquoi il galérait plus que dans cette option là, quoi. C'est peut-être le naturel plus fluide. Mais bon, je trouve que ça cassait pas des briques. Toi, tu bouges pas. Et tu te plantes derrière le vent. Bon, c'est une option. Moi, j'aurais pas fait ça personnellement, mais bon. Alors, j'ai récupéré tous les morceaux. Et bah, de toute façon, la prochaine mission, elle est normalement pas loin. Ouais, je crois que c'est là, si je dis pas de bêtises. Ouais, si, c'est là. Donc, ouais, bon, bah, je vais traverser le bordel. Hein. On va rentrer dans le tas, n'est-ce pas? Liquide, il est où? Ah, il est là. T'as le droit de tirer, mec, hein. Oula, 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 le bug! Oula! Il m'a fait du breakdance, le mec! Tu veux pas la refaire? Allez, s'il te plaît. Je suis dans une warp zone. Il se passe des trucs bizarres, là. Je suis dans un trou noir, un maelstrom, un je ne sais quoi, là. On n'a rien vu. Ce jeu n'a aucun bug. Ça doit faire mal, non? Bon, maintenant il a plus de rien sentir, donc bon. Bah, hey. Mais hey. Ce sniper ne marche pas correctement. Continuez. Voilà, je le prends, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Non, les journaux, on l'avait déjà fait. Munition. Ouh, rack. Ouh, beaucoup de rack. Une arme verte, ça doit être forcément un minimum potable. Je crois qu'il y a une rack que j'ai pas dû buter. Petit. J'ai cru à une étoile filante avant. Bon. Il est rentré chez sa mère ou je l'ai défoncé. Alors, suivant comment on prend la phrase, on peut penser que j'ai été chez sa mère pour lui exploser la gueule. Ou autre chose d'ailleurs, mais bon. C'est intéressant la langue française et ses doubles sens, c'est magnifique. Ah, bah en fait là je suis à 21, 22 FPS. Ça remonte, mon dieu! Ah, ça redescend, il suffit que j'en parle. 17, ouais. Ah bah d'accord, c'est juste parce qu'il y avait un mur devant, donc forcément, ça consomme moins, ouais, c'est ça. Mais ah, vraiment que j'améliore mon... les compétences de snipe, parce que là, ça vaut que dalle, mais... Hé eh. Ah bah dis donc. Marc, c'était même pas un coup critique. Bon, je visais pas non plus super bien, mais... Merde. J'ai quelque chose pour toi. Je suis d'accord, je sais pas pourquoi il a pas voulu viser pendant un temps, c'est pour ça que j'étais resté bugué comme un con. Bon, ça c'est naze. Non, j'ai maintenant j'ai ramassé plus que les armes vertes. Enfin au moins vertes.
Sinon, je me retrouve avec des tas de merde pas possible. Puis après, il faudrait que je perde du temps à faire du tri. On fait quand même 2-3 coffres quand même, hein, histoire d'eux. Alors là, il y a toujours les deux mêmes nabos qui sortent de là. Et qui sont toujours en mousse. Ouais, moi, je pouvais venir là avant, ils étaient limite aussi faciles à buter. D'ailleurs, en général, je viens là avant parce qu'il y a le coffre, qui en général drop des machins pas mal. Sauf que là, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Ouais, voilà, il y a tout qui est en dessous. Bon, ça se revend. Puis ça se revend juste à côté. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous lire le... Retrouver Bruce McLean. Alors... Est-ce que quelqu'un veut bien m'aider? Je n'ai plus de nouvelles de mon fiancé depuis des semaines. Il s'appelle Bruce McLean. Comme John McLean. Et il vit dans une cabane près de la Zephyr Substance. Attends, ils sont mariés, mais... Ah non, fiancés. Autant pour moi. Zephyr Substation. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit qu'on allait devenir riche et qu'il allait nous payer des billets pour quitter cette planète. Je ne sais pas dans quoi il s'est laissé entraîner, mais ça n'a pas dû marcher. Je vous en supplie, retrouvez mon fiancé. Bon, on l'a retrouvé, hein, mais... Bon, il est pas en super état, manifestement. Bruce McLean est mort pour ce truc. Alors, ce pauvre Bruce McLean est mort comme le redoutait sa fiancée. Vous avez trouvé son journal manuscrit sur son cadavre. Il vous en apprendra peut-être plus sur sa fin. Ça marche. Alors, retour de produit. Alors, dans son journal, Bruce raconte une de ses arnaques. Il cueillait des feuilles de plantes locales, puis il les roulait en cigarettes et il les vendait aux bandits en les faisant passer pour de la première qualité importée. Avec l'argent gagné, il comptait épouser sa fiancée et l'emmener loin de Pandore. Auparavant, son premier client est mort d'une hémorragie interne instantanée. Instantanée en plus, eh ben disons. Et, pour se venger, les bandits ont obligé Bruce à fumer sa camelote. Ah oui, d'accord. Vous feriez bien de récupérer tous ces cigares avant que des gosses s'amusent à les allumer à l'abri des regards. Le journal dit que Bruce démarchait surtout autour de Titan Sand. D'accord. Je vois pas comment des gosses peuvent tomber là-dessus, tandis que de toute façon ce serait des bandits, c'est-à-dire des raclures de première. J'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Ouais, non, pas envie de lancer roquette. Oh. Mais c'est que c'est un bon sniper, ça. Ça, c'est naze, par contre. Ça aussi. Ça, c'est nul, et ça, c'est nul. Mais alors, ça... Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai quoi en ce moment sur moi? Je crois qu'il fait dans les 100, 103, quelque chose comme ça. Revendre, équiper. Ah non, 102... La précision, c'est la même, par contre. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais, mais 30 dégâts de plus, il y a 3 balles de plus, c'est une cadence de ouf. Les cuits snipers en général, ils adorent. Ça, il est vulcano, comme j'ai en ce moment, mais bon, celui-là, il est plus intéressant pour le moment, je trouve, donc on va quand même l'acheter, hein. Ça fait un investissement, mais bon. Alors, revendre des armes. Il faudrait que je compare, je peux pas comparer, là. Bon, bref, ça, c'est naze. Je vais faire au clavier, ce sera plus simple. Ça, c'est nul. Ça, on garde, j'avais dit. Bon, ça commence à plus trop faire de dégâts non plus, hein. Juste, bon, j'ai déjà un flingue de feu. Alors. Ouais, il a pas beaucoup de cadence en plus. Je vais garder celui-là. Ouais, ça, je vais vendre. De toute façon, c'était un blanc. Oui, je suis raciste des blancs, parfaitement.
Bref, puis mon sniper, on va le garder parce qu'il fait des dégâts de feu. Par contre, je vais celui-là du coup. Sauf qu'en plus, là, comme je vais surtout affronter des bandits avec bouclier, ce sera plus efficace. Bref. Maintenant que cela est fait, on va pouvoir aller récupérer boîte de cigarettes. Ce que je rappelle, je trouve complètement débile. Mais bon. Voilà, ouais, je vais aller à Pince. Et après, on fera une quête qui est dans l'espèce de camp juste à côté. Je la vois un peu enrouée. Alors, ouais, il faut aller par ici. Sinon, ah, ouais, pas mal de planètes, c'est la première fois que je la vois comme ça. Bon, le ciel est dégueulasse par contre, hein. C'est Pixelism, ouais, c'est un vieux fou la con. Même dans Minecraft, ils sont plus beaux. Je suis pas sûr de la qualité si j'ai remis au même niveau qu'avant quoi. Normalement il me semble que non. Mais je suis pas sûr à 100%. Normalement ici il y a personne qui va essayer de me tirer dessus. Non c'est bon, il est pas là. Hop, fait plein de munitions. Non, c'est bon. 302, 39, résistance au feu. Et j'ai à 300 bus, oui, ça fait pas grand chose en plus au final, et puis il y a une meilleure cadence en chargement, donc ouais, j'ai regardé ce fichier en ce moment. Tant pis pour la résistance au feu, hein, de toute façon. Pff. On prend de résistance à machin, résistance à truc, au final, ça dépend des ennemis sur lesquels on tombe, donc bon. Je trouve ça pas forcément utile. Alors, première boîte de cigarettes. À côté d'un petit coffre rouge, je suis toujours sympathique. Juste un gun! En plus, il est pas chouette! Enfin, ils sont chiens. Quoique, j'ai pour le niveau qu'il demande, je crois qu'en fait, il est pas mal. Ensuite, bah, il y a les deux boîtes de cigarettes restantes qui sont là. On va lancer un petit coup sanguine. Normalement, il n'y en a pas qu'un de... deux mecs, et il y a en plus des skags qui vont sortir. Non, ils sortent pas les skags. Bon. C'est étonnant, il n'y a pas beaucoup d'ennemis là. Lui, il s'est fait du sniping encore avec ses machins. Et il y arrive en plus, hein. Pas de problème, hein, vous avez vu la distance. Le mec, c'est Superman, quoi. Il a la super force et tout. Ah, d'accord. Et c'est juste maintenant que les skags sortent. Bon. J'ai envoyé une petite grenade. Voilà. Ah, mais en plus, il y a du gros, hein. Ah d'accord, je lui virer non seulement son bras, mais en plus sa tête. Comme si un seul membre ça suffisait pas. Ah, il y a aussi une jambe apparemment. Bam bam bam. La deuxième boîte et la troisième boîte. Je pense que c'est pas maintenant que ça change. Bonjour dame de Bruce, ouais voilà. Alors, on va prendre Adi Inomini. Les bandits ont investi mon site de fouille dans les arides Badlands. Des membres de mon équipe ont voulu se défendre, mais ils en étaient bien incapables et les bandits ont planté leur crâne sur des pics. C'est toujours mignon dans le décor. Alors, c'est déplorable pour l'hygiène. D'accord? Et Adi, il y a un site archéologique. Les mecs, on s'en branle après. Ils ont pas une belle sépulture, c'est pas grave. Alors, j'ai peur que quiconque ira à Titan's End retirer leur crâne de ses pics. Bah, on va faire ça, hein. C'est un jeu d'enfant, en plus. Ce que j'adore, c'est qu'il me débloque des niveaux inférieurs à la mission qu'on venait juste de faire, quoi.
veux dire, s'il fallait faire la mission de Sledge pour y accéder à ces missions-là, et bon. Remarque, après, on aurait pu les faire avant d'aller voir Sledge.